Perrin, bah, je joue au baby-foot depuis à peu près toujours, on va un peu dire comme ça. Bah, je suis un peu tombé dedans étant petit, vu que mon papa jouait déjà à l'époque. C'est un jeu qui, à première idée, c'est un peu un sport de bistrot. On imagine toujours avec la cigarette et la verre de bière dessus. C'est clair, c'est moins physique que jouer au foot ou au hockey ou je sais pas. Mais ça reste quand même assez intense. Et puis quand on fait un tournoi tout le week-end, bah, on est content d'aller se reposer un peu. De 10 à 16 ans à peu près, j'ai joué 4 heures tous les jours. Et puis on améliore la technique, la rapidité, la précision des shoots et tout ça, le passage des 5 au 3, de derrière et tout ça. Et puis ça vient comme ça, puis c'est une passion, on ne voit même plus les heures passer tellement. On aime aussi ça, mais ça reste quand même un jeu qui est sympa à jouer quand on veut le faire sérieusement. Mais c'est clair qu'il faut, c'est comme tous les sports, quoi. Il faut être engagé puis avoir des envies aussi, je pense. On joue en simple, on joue en double aussi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler avec son partenaire ou avec sa partenaire. Ah, c'est sûr qu'il faut quand même s'entraîner avec son partenaire et puis entraîner les passes, les dégagements, la façon de se placer, tout ça, pour éviter le plus possible les goals et puis d'en mettre aussi de l'autre côté. Et puis après en simple, bah, c'est un peu plus physique, de devant à derrière, c'est un peu plus intense. Et puis c'est aussi assez technique, il faut savoir jouer derrière et devant. Deux titres européens, 3 titres mondiaux, qu'est-ce que ça représente à vos yeux ? Ah, c'est des satisfactions qui sont un peu, pas dire abouties, mais on est content d'avoir fait tout ce travail pour arriver là, même si ça reste un sport un peu léger, mais on est quand même content d'arriver à ces objectifs et puis d'arriver à ça, quoi. Et puis l'émotion, c'est assez incroyable quand même, même si c'est pas le Roland-Garros ou des choses comme ça, mais c'est des sensations assez incroyables quand même.